Aussi bien en Europe qu'en Afrique, le marché a toujours été une des principales attractions de la mère de famille. Chaque vendredi, il y a un marché au village de Tervuren. On y rencontre quelques Africaines, heureuses de retrouver une ambiance un peu familière. Les échoppes garnies de vêtements et de bijoux sont particulièrement attirantes. Mais le moindre bouton ne sera pas acheté sans avoir été minutieusement examiné, ni son prix longuement comparé. Ça coûte 35 francs. Oui, c'est trop cher. Oui. Ah, oui, c'est trop cher. C'est trop cher? Non, c'est trop cher. Non, si, non, si. Non, c'est pas trop cher. Non, mais... Après le marché, nous traversons le parc de Tervuren et nous arrivons ainsi à ce vaste bâtiment que nous appelons familièrement Kappa. Ces initiales désignent le centre d'accueil pour personnel africain. Il s'agit, vous l'avez deviné, des Africains venus du Congo belge et du Rwanda au Burundi pour s'associer à l'effort des rencontres mondiales dans le cadre de l'exposition de Bruxelles. Au premier et au deuxième étage se trouvent les chambres de séjour. Le Kappa est organisé en hôtel où l'on s'efforce d'apporter un maximum de confort. Monsieur et Madame Binéné rentrent dans la chambre qui est la leur. Et ainsi se sentent un peu chez eux. Maman na mwana tumbana tujali bisutele. Na mwana tumbana tujali bisutele. Maman na mwana tumbana tujali bisutele. Le Centre d'accueil pour le personnel africain est une association sans but lucratif
qui fut créé par le ministre des colonies en novembre 1956. Le bâtiment que voici fut construit sur un terrain d'adonation royale et deviendra une aile du musée royal de Tervuren. C'est dans cette future aile que furent aménagés 50 pavillons préfabriqués pour y loger les Africains.